L'ange numéro 28, Seheya. Il régit du 7 au 12 août. Il est l'ange de la prévoyance et la longévité heureuse. Il représente la protection providentielle contre les accidents, les maladies et nous permet d'anticiper des événements via notre intuition, notre réceptivité profonde. Il nous aide à transformer la peur du futur et toute forme d'anxiété. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Prévoyance. Longévité heureuse. Protection contre la foudre, les chutes, les accidents, les incendies et les maladies. Guérison miraculeuse, réhabilitation, santé. Protection providentielle, assurance céleste. Accord de la sagesse via l'examen des expériences vécues. Pressentiment, inspiration protectrice. Prudence, capacité de prévoir les événements. Grand calme. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Imprévoyance, imprudence, inquiétude profonde. Problème de longévité, peur du changement et de la mort. Anxiété, peur du futur. Activités superficielles qui servent de compensation. Est toujours inquiet et préoccupé pour les autres. Manque de confiance dans le destin et les plans de vie prévus par l'intelligence cosmique pour tout un chacun. Incohérence. Chute, accident, maladie. Ruine, tumulte, turbulence. Déclenche des catastrophes. Action irréfléchie, écervelée, étourderie. Énergie tourbillonnante, volonté excessive, caractère colérique, paralysie intérieure et extérieure. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Accident, digestion, épuisement, foudre, hanche, longévité, os, paralysie, prudence, sciatique. Douce pensée angélique.